Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Cet événement qui porte sur l'identification des personnes vivant avec le handicap par le dépistage chez les populations en situation de handicap s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, de la Journée de lutte contre le VIH-SIDA, de la Journée internationale de la journée et surtout du mois camerounais de l'enfant contre le VIH-SIDA. On considère qu'elles ne sont pas concernées par le risque de contamination au VIH. Or, les personnes porteuses d'une incapacité physique, intellectuelle, mentale ou sensorielle sont autant, voire plus exposées que les autres au risque de contamination au VIH. Par conséquent, elles constituent un espoir pour freiner la propagation de cette sale maladie au cas où elles sont sensibilisées et elles sont régulièrement dépistées et conseillées par rapport au risque que constitue le VIH. Aujourd'hui, nous avons eu la cérémonie de lancement de notre campagne de dépistage en prélude à la Journée mondiale de la personne en situation de handicap et également pour célébrer comme la Journée mondiale du VIH, c'est le 1er décembre. Donc, c'est en prélude à ces deux journées. Parce que nous sommes partis d'un constat. Nous avons regardé les statistiques nationales. Nous avons constaté que sur le plan des statistiques nationales, il n'y a pas trop de chiffres concernant les personnes handicapées. Ce qui signifie que plusieurs campagnes, tout ce qu'on mène sur le plan national, les personnes handicapées sont en général laissées en marge. Nous avons voulu mener cette campagne pour les personnes handicapées afin de permettre à l'État du Cameroun d'avoir des statistiques fiables. Pour ce qui concerne les personnes handicapées, toute chose qui permettra à l'État du Cameroun de pouvoir inclure les personnes handicapées dans les politiques nationales de prévention contre le VIH-SIDA et dans les politiques nationales de santé en général. Dans le cas de cette campagne, nous avons eu des partenaires comme le CISCB. Le CISCB, dans le cas, devait s'assurer du contrôle qualité. Donc quand nous allons faire des tests de dépistage, ils vont contrôler si les résultats qu'on donne aux uns et aux autres sont vrais. Donc, ils vont prendre quelques cas positifs, tous les cas positifs et quelques cas négatifs pour aller dans leur laboratoire et tester pour confirmer nos résultats. Nous avons le MINAS qui nous accompagne, le ministère, la délégation régionale et la délégation départementale qui étaient représentées, le Comité national des droits de l'homme et les responsables des organisations des personnes handicapées, puisque nous travaillons ensemble, sont nos organisations sœurs. Le rôle de Wellbeing Africa Association, c'est la promotion des droits humains des personnes handicapées, entre autres. Donc, le droit à la santé fait partie des droits humains. Demain, ce sera autre chose. Mais la personne handicapée, c'est la cible privilégiée du Wellbeing Africa. Et nous pensons que nous devons tout le temps faire des efforts pour sortir les personnes handicapées de l'ombre, les oubliettes, et les mettre à la lumière afin que la société puisse tenir compte de cette catégorie de personnes.